Et salut à tous et à toutes, c'est Linkos, bienvenue dans cette premier épisode de Pokémon version Emeraude en Alpha Lock Random. Et ça me fait très bizarre de prononcer ces mots-là parce que Alpha Lock pour moi, c'est un nouveau concept que j'ai inventé. Bah oui, bien sûr, cela va de soi, avec des règles établies méticuleusement. Et j'espère vraiment que ça va bien se passer. En plus de cela, je le fais en random, histoire de rajouter de la surprise, mais aussi de la difficulté et du fun. J'espère que cette aventure va bien se passer, et que vous serez aussi nombreux à me suivre, et que ça vous plaira, hein, tout simplement. Pour moi, je veux que cette série, en fait, ça soit la grosse série de ma chaîne à voir, le gros challenge à ne pas rater. Parce que franchement, j'y mets tout mon cœur pour faire ce challenge et j'espère que ça se ressentira. Hein. Sinon, j'espère que cette aventure sera palpitante et elle le sera. Hein. D'ailleurs, j'espère que l'intro vous aura plu aussi et que le layout vous plaît aussi. Hein. Et donc, voilà, dites-le dans les commentaires et on va pas tarder à démarrer cette aventure en appuyant sur Start. Allez, c'est parti. On va aller dans les options. Tout d'abord, on va mettre vitesse 3. Le style de combat défini. La fenêtre 19, vu que c'est vert. Hein. Et donc, les amis, on est parti. Mais avant cela, je vous conseille que pendant l'intro, il n'y aura rien de spécial. Je vous conseille de lire la description, hein, tout simplement, et d'y regarder notamment les règles, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Allez, c'est parti, on va faire nouvelle partie. Ah là là, ça va être énorme! Ça va être énorme. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seiko, mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon! Un Suicune! Alors qu'à la place, c'est un pauvre Marill ou Azuril. Je ne sais plus. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Oui, légendaires! Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats de Pokémon. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Ah là 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 là. Es-tu un garçon ou es-tu une fille? Un garçon, bien sûr. Très bien, comment t'appelles-tu? Allez, on va s'appeler Linkos, bien sûr, pour cette aventure palpitante. Oh là là, ça va être énorme. Oh là là. J'ai hâte. Tu t'appelles Linkos, bien sûr. Ah, mais c'est vrai, tu es Linkos. Tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol. Ou Bourg-en-Vol, je ne sais pas comment vous prononcez, vous. Hein. Là où j'habite. Je m'en souviens maintenant. Bon, comment tu te sens? Comment te sens-tu plutôt? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon, où tu vivras de belles aventures remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard. Viens me voir au labo Pokémon. Allez, c'est parti. On est en déménagement. Alors, je vais instaurer aussi un nouveau truc pour chaque épisode. C'est-à-dire les questions du jour. Alors, pour vous, quelle est votre version Pokémon préférée? Et ce que je ferai pour les questions du jour, c'est que j'y répondrai pour le prochain épisode. Comme ça, voilà. Un nouveau départ. Comme ça, ça me permettra de comparer, en fait, par rapport à vous. Alors, Linkos, on est là, chouchou. Ça doit être fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Voilà, c'est Bourg-en-Vol. Tu trouves ça comment? C'est ici que nous allons habiter. Ça paraît un peu pittoresque, mais nous devrions bien nous y sentir. Tu ne penses pas? Mais si, ma petite maman. Je vais rester juste une minute dans ta maison.
Et tu as ta propre chance, sauf si on meurt bien sûr hein, en début d'aventure, et ça serait ballot. Et tu as ta propre chambre, Linkos. Allons à l'intérieur. Allez, c'est parti. Oh là là. Alors Linkos, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. Linkos, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Ah, ça serait marrant que... Ouais, bon, je n'ai rien dit, mais ça serait marrant que, justement, ce Vigoroth soit notre Pokémon random, parce qu'il fait des choses un petit peu bizarres. En plus, on ne voit pas ce qu'il y a à la télé, hein. C'est vraiment très très bizarre, hein, ce début, hein. Alors, on va prendre la fameuse potion. Alors, d'ailleurs, les objets sont aléatoires, hein. Je vais faire une chose. Pour les règles, si vous êtes dans le flou, bah petit à petit durant l'aventure, je vais préciser chacune des règles quoi. Si le cas se présente bien sûr, que ce soit en random ou en alpha lock. Alors, Linko s'ouvre le cahier. Règle numéro 1, ouvrez le menu en appuyant sur Start, sans blague. Règle numéro 2, sauvegarder en choisissant Sauver. Les pages suivantes sont vierges. Ah là là. Alors, Linko se regarde attentivement la carte de la région de Hoenn. Eh oui. Ah là 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 là, on va en avoir des choses à faire, hein. Croyez-moi. Alors ici, c'est une Nintendo GameCube. Une Game Boy Advance est branchée dessus et sert de manette. Oui, je prends mon temps. Cette émission plairait à maman. Je ferais mieux de filer. C'est lui qui parle ou pas? Alors, on va régler l'heure. On va la mettre. Vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Bon, rien d'important. Je pense. Allez, on va la mettre. Bah, vous allez savoir quand je tourne, du coup. Et il est 22h02. C'est l'heure où je tourne. C'est pour ça que... Il fait assez sombre. Linkos, ta nouvelle chambre te plaît? Bien sûr, je vais y rester 30 secondes. Excellent, tout est bien rangé. Ils ont aussi fini de tout mettre en place en bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Oh là là, j'ai déjà vérifié, man. Hein. Oh. Oh, Linkos, vite, viens voir. Regarde, c'est l'arène de Clémentiville. On va peut-être voir papa. Ce reportage vous a été présenté devant la reine Clémenti. Oh, c'est terminé? Ils ont sûrement interviewé Papa, mais on l'a raté. Dommage. Ah, tiens, l'un des amis de Papa vit ici. Il s'appelle Professeur Seco. C'est notre voisin, tu pourrais aller lui dire bonjour et te présenter. Ah, comme par hasard, il s'appelle Professeur Seco. Comme par hasard, c'est un prof. Bon, allez, moi je vais vraiment prendre mon temps durant cette aventure, hein. Le prof Seco passe des journées entières dans son labo à étudier et tout d'un coup, il part faire des recherches dans la nature. Mais quand est-ce que le prof Seco arrive à passer du temps chez lui? Si tu utilises un PC, tu peux stocker des objets et des Pokémon. Le pouvoir de la science est incroyable, comme dirait Lem, hein? Mais non, mais c'est vrai. Dans XY, nos Pokémon. Oh bonjour, qui es-tu? Oh, tu es Linkos, nos maisons sont voisines. Notre fille a le même âge que toi. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller voir à l'étage. Salut toi. Est-ce que tu as déjà des Pokémon à toi? Mais bientôt. Bientôt. Chut. Alors. Bah tout est en miroir. Hein. Alors. Hein? Qui es-tu? Tu es... Oh, tu es Linkos. Donc tu as emménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora. Enchantée de te rencontrer. J'ai rêvé que les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi, Linkos, par mon papa, le professeur Seco. J'espérais que tu serais sympa, Linkos, et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Linkos. Hihihi. Oh non, j'oubliais. Je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Linkos, on se retrouve plus tard, ok? Mais oui, Flora, allez. Donc, c'est la Pokéball de Flora. Il vaut mieux la laisser où elle est. Oh, mais si seulement c'était... Si seulement on pouvait le prendre en plus, il y a un Pokémon random. Genre, il y a peut-être un Rayquaza, quoi. Ah, bon. Les amis,
Salut. Il y a des Pokémon effrayants. Dehors, je peux entendre leurs cris d'ici. J'aimerais bien aller voir, mais je n'ai aucun Pokémon. Tu pourrais aller voir pour moi ce qui se passe? Ah, à l'aide! Je vais faire sa voix. Hé, hey, toi, là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Dans ton sac? Eh bien, dans ton sac, il y a des Pokéballs, et dans mon récipient, il y a des lettres. Eh oui, les fameuses lettres. Si vous avez bien lu, l'une des règles consiste à choisir 6 lettres en début d'épisode. Et donc, regardez, voilà, je vais refermer, je vais secouer pour les mélanger, hop, voilà, et je vais les piocher une par une. Allez, c'est parti. Et la première lettre sera, attention, la lettre oula, fail, la lettre C. La deuxième lettre sera la lettre E. Pour l'instant, ce sont des lettres assez communes. La troisième lettre sera la lettre T. Ouais, quand même. La quatrième lettre sera la lettre F. La cinquième lettre, ça sera la lettre W. Ah ouais, là, c'est un petit peu plus difficile. Et la dernière lettre, la sixième et dernière lettre, la lettre X. Ah oui. Autant les lettres C, E, T, F, ça va. Autant W, X, ça va être chaud. Allez, c'est parti. Donc, on a Germignon, Watt-Watt et Azuril. Oh, alors, attendez. Azuril, est-ce qu'on pourrait le prendre? On peut pas le prendre parce que aucune des lettres correspond à au moins une des 6 lettres du nom de ce Pokémon. Ensuite, la lettre pour Germignon, on pourrait le prendre vu qu'il y a la lettre E. Et pour Watt-Watt, on pourrait le prendre aussi. Et d'ailleurs, je vais peut-être le prendre. Eh ouais. Alors, par contre, normalement, si je prends Watt-Watt, le rival aura Azuril. Vu que normalement, ici, c'est Arco. Au milieu, c'est Poussifeu. Et à droite, c'est Gobou. Donc, on va prendre Watt-Watt et on aura l'avantage contre Azuril. Donc, c'est parti. Il y a la lettre W qui est là, et ça, ça fait plaisir. On va prendre Watt-Watt. Et vous aurez remarqué que ce ne sont que des formes de base, comme précisé dans le random. C'est parti! Watt-Watt est mon premier Pokémon. Pas officiellement encore. Alors. Oh, femelle! Qui tient un objet. Ah, rigide, non! Oh non, pas la nature rigide. Écran fumé. Ah oui, les talents sont aléatoires aussi. Empêche réduction des capacités. Ouais, c'est pas trop mal. Ah, il est rigide de nature, c'est mauvais. C'est très mauvais. Mais bon, on n'a pas le choix malheureusement. Eh ouais, ah là là. Et tiens, le sable doux. Il a quoi comme attaque? Ah oui, c'est vraiment pas terrible. Hein. On va avoir du mal, hein. On va avoir beaucoup de mal. Mais vraiment beaucoup de mal. Bon, c'est pas grave, on va faire avec, hein, écoutez. Et on va faire une petite attaque éclair. Ça va être chaud, les amis, hein. Ok. Que de faire? Genre. Ok. Bon, les attaques sont de préférence du même type que le Pokémon aussi. Et donc voilà, on a battu notre premier Pokémon, enfin. Ouf! J'étudiais les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, hé, hey, c'est toi Linkos? Ce n'est pas un endroit pour discuter. Allons au labo Pokémon, ok? Oui. Alors Linkos, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore de Pokémon à toi. Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat.
Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Yes! Notre premier Pokémon qui s'affiche sur le layout. Si tu veux, tu peux te donner un Pokémon à ton Watt-Watt, un surnom plutôt. Waouh, je n'y suis plus. Alors donc, pour le surnom, il faut au moins 3 décilettres correspondant à l'épisode, quoi. Donc, c'est-à-dire le C, le E, le T, le F, le W et le X. Il faut qu'il y ait 3 décilettres dans le surnom. Comment je pourrais l'appeler? Ah ouais, là, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Oh, je crois que j'ai trouvé. Ah non, mais ça donne... Ça limite en fait nos choix, mais ça nous force à réfléchir. Alors, on va l'appeler... On va l'appeler Foudre. Foudre X. Tout simplement. Eh ouais. Ben oui, il y a au moins 3 décilettres. Il y a le F, il y a le E et il y a le X. Et donc voilà. Ah là 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 là. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Flora étudie aussi les Pokémon en m'aidant. Linkos, serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Super, ça fera plaisir à Flora. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. Mais oui. Alors toi, le prof Seko étudie l'habitat et la répartition géographique des Pokémon. Le professeur aime aussi se faire aider par Flora. Il s'aime beaucoup. Ouais, il s'aime beaucoup, raisonnablement. Hein? On est d'accord. Ouh, merci. bon. Allez, c'est parti. Bon, on peut pas encore capturer des Pokémon, hein. Vu qu'on a pas de Pokéball. Les Pokémon sauvages vont te sauter dessus dans les hautes herbes. Pour attraper des Pokémon, tu dois aller dans les hautes herbes et chercher. Bon, allez. Ok, pas de combat encore. Si tes Pokémon sont fatigués, emmène-les dans un centre Pokémon. Il y a un centre Pokémon à la Rosière tout près d'ici, bien sûr, je le sais. Ah, et premier Pokémon random, il s'agit d'un Ferro-Singe. Pourquoi pas? Allez, Foudre X, go! Ah là là, mais c'est énorme. On a et les canons, hein. On ne sait jamais. Oh mon dieu! Ultra laser! Ah, il est chaud! Ah ouais, ils m'ont enlevé pas mal en plus, hein. Ok. Oh, oh là 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 là, mon dieu, cette aventure va être chaude. Ok, ça va, niveau 6. Très très bien. Du coup, bon, on peut soigner nos Pokémon. Allez, c'est parti. Allez, bonjour, bienvenue dans le centre Pokémon. Je connais le speech. Allez. On va parler à tout le monde quand même, hein. On ne sait jamais. Le PC dans le coin est à la disposition des dresseurs de Pokémon. Naturellement, tu peux l'utiliser quand tu veux. Bien sûr. L'étage du centre Pokémon vient d'être construit. Mais ils prétendent avoir encore besoin de faire quelques petits travaux. Ok. Les centres Pokémon sont géniaux. Tu peux utiliser leurs services autant que tu veux. En plus, c'est gratuit. Pas de soucis. Heureusement. Sauf dans Pokémon Gêne où c'est... J'aime ou c'est payant. Gêne. What the fuck. Bon, on va faire une chose, là. On va renommer nos boîtes. Et vous l'avez vu aussi dans les règles. C'est pas n'importe quel nom. On va... Aïe. Oh, attendez, il y a peut-être pas assez de place pour Alpha Life. Je sais ce qu'on va faire. A.life. Vous le saurez que c'est Alpha Life, tout simplement. Donc, voilà, voilà. Et hop. Et voilà. Le fond, on va le changer. On va le mettre en... Je sais pas. Ah, bah, ça me paraît bien. C'est sobre et c'est blanc. Ça respire... la vie. On va dire ça comme ça. Et là, on va appeler naturellement Alpha Dead. J'espère que j'aurai pas trop d'Alpha Dead. Hein. Aïe aïe aïe. Parce que sinon, ça sera invalide. Oh, vous notez la petite rime improvisée. Ok.
Oh là là, j'espère que vraiment cette série va vous plaire et vous plaît déjà. Parce que moi je suis tout impatient pour tout. Donc là on va changer par contre le paysage, on va le mettre en volcan. Comment ça donne? Oh, pas mal! Bah écoutez, même si c'est pas la même chose que le layout, on va laisser comme ça, hein. Et donc, bah continuons à visiter le petit village de Rosières. Bon, on pourra courir bientôt, hein. Lorsqu'on aura des chaussures de sport, on pourra aussi courir dans les maisons. Je viens juste de découvrir les empreintes d'un Pokémon rare. Attends que je finisse de les reproduire, d'accord? Mais bien sûr. Toi. Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Je peux t'emmener avec moi, bien sûr, ouais. C'est une boutique Pokémon, on la reconnaît à son toit bleu. Nous vendons divers produits, dont les Pokéballs pour attraper les Pokémon. J'aimerais que tu prennes ça, comme si c'était une offre promotionnelle. Ah, une potion. C'est sympa. Une potion s'utilise à tout moment, alors dans certaines situations, c'est plus pratique qu'un centre Pokémon. Allez, on va aller dans le shop. Et on va aller acheter quelques trucs. Le stock est épuisé, je ne peux pas acheter de Pokéball. Ah. Si un Pokémon est blessé et perd ses PV, il est KO et ne peut plus se battre. Ouais, mais sauf que moi, quand ils sont KO, ils sont morts définitivement. Et ils sont mis dans une boîte nommée, renommée Alphadid. Eh oui, c'est l'essence même d'un Nuzlocke Challenge. Allez, on va acheter 3 potions, ça nous fera 5 potions. Une antidote. Un antidote plutôt, on dit, je crois. Un antipara et un réveil. On dit pas une réveil, je le sais. Je ne suis pas non plus abruti. Allez. On va visiter un petit peu les maisons et après on ira vers le nord. Le nord. Lorsque les Pokémon se battent, ils gagnent de l'expérience et deviennent plus forts. Si les Pokémon de ton équipe deviennent plus forts, tu pourras voyager plus loin. Ok. Sympatoche, tout ça. On va aller ici. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Quand un combat de Pokémon commence, celui qui est à gauche de la liste part au combat le premier. Donc, quand tu auras plus de Pokémon dans ton équipe, tu pourras modifier l'ordre des Pokémon. Ça pourrait te donner l'avantage, effectivement. Et donc voilà. Eh bien écoutez, on est parti pour le Nord. Allez, c'est parti. Alors. Ah, il y a un petit PNJ là. Mon Pokémon est terriblement fatigué. J'aurais dû apporter une potion. Ah, mais oui. Quelle grossière erreur. On va s'entraîner un petit peu. Juste un petit peu pour voir. Oh, allez, on tente contre la Riyama. Allez, Foudre X, go! Allez, on tente. Allez, on est chaud. C'est pas mal. Oh, le contre! Attention, j'ai peur. Ok, ça va, ça va. Ça permettra de recevoir quelques points d'expérience quand même. Hein. 52, c'est vraiment pas mal. On va encore continuer à s'entraîner jusqu'au niveau 7 et on ira affronter Flora. J'aime mieux assurer le coup et m'entraîner beaucoup dans cet Alpha Lock Challenge parce que ça sera pas toujours les mêmes Pokémon qui combattront hein, à un moment. Vu que les lettres bah, sont différentes. Eh oui. Vu que 6 lettres. Oh, encore un Arium. Bon, au moins les EV en attaque hein, ont bien. Non, augmenter. Et les torgnoles feront assez mal. Mais pour l'instant, on va utiliser des éclairs. Ça suffit, je pense. Ok, Grima. Oh! Ah non, mais ça, c'est excellent. C'est excellent, ça. C'est comme le talent de Métalos, corps sain. Oh, contre! Ça va faire beaucoup de dégâts, là. Ok. Bon, ça va encore. Je m'entraîne parce que. Bon. Il n'est pas très très puissant, hein, Watt-Watt. Enfin, pour moi, en tout cas. Ok. C'est pas mal. Je pense qu'on est apte à affronter Flora. Attendez, d'ailleurs, on va retirer l'objet de Foudre X. Hop, le sable doux. Et d'ailleurs,
Pour les lettres qui seront choisies en chaque fin, chaque début d'épisode, eh bien, ça s'appliquera au nom de base hein, des Pokémon, pas leur surnom. Hein. Je tiens à préciser cela. Hein. Donc, par exemple, si le W est choisi, eh bien, Watt pourra combattre dans les prochains épisodes, bien sûr. Et si la lettre W aurait été choisie par rapport au surnom, c'est-à-dire Foudre X, eh bien, il n'aurait pas pu combattre. Et à ce moment-là, eh bien, on peut quand même... On aurait pu le faire quand même combattre, vu qu'aucun Pokémon ne peut combattre, parce qu'il est stipulé dans une règle que deux Pokémon maximum peuvent combattre si aucun Pokémon... une des six lettres correspondantes. Voilà. Comme ça, vous compreniez mieux. J'aime mieux vous expliquer pour ce premier épisode, petit à petit, hein, comme je l'ai dit. Et donc, maintenant, on passe à Floros. C'est parti. Voyons, les Pokémon trouvés sur la route 103 comprennent. Oh, salut Linkos. Oh, je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on n'a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer ce que c'est qu'être un dresseur. Ouais, c'est ça. Allez, premier combat officiel contre un dresseur, contre notre rival. Il faut que ça le fasse. Azuril, je m'en doutais. Dresseur Mallory, d'accord. Allez, c'est parti. On va faire une petite éclair. On n'aura pas trop de mal hein, contre un Azuril. Barrage, bon, ça me sert pas. Ça sert pas à grand chose. Allez, on continue. Pas mal. Oh, genre, il a soin. Ah ouais. Ah, genre, il rigole. Eh bien, écoutez, j'ai envie de tenter et les canons. Ah, ça passe pas. On retentait les canons? On va retenter les canons. On est des fous. Yes, ça passe. Et voilà, le one shot. 120 de puissance au lieu de 100, vu que les attaques ont été upgradées par rapport à la 6ème génération. Et du coup, niveau 8 pour Foudre X. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Dresseur Mallory battu. Wahoo, c'était génial, Linkos. Tu as beaucoup de talent. Eh ouais, j'en ai beaucoup de talent, je sais. Maintenant, je crois savoir pourquoi mon père garde un œil sur toi. C'est vrai, tu viens juste d'avoir ce Pokémon et il t'aime déjà. Tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps de retourner au labo. Eh bien, allons-y. Retournons au labo. Ah là là, on va bientôt s'arrêter là hein, pour ce premier épisode. Je ne sais pas combien de temps on en est, mais bon. Linkos, par là, vite au labo. Ok. Allons-y. Allez, nous voici revenus à Bourgenvol, comme vous voulez, hein. Alors. Oh, bonjour Linkos. Il paraît que tu as battu Flora. Belle performance. Tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens, Linkos, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex te sera plus utile qu'à moi. Oh, ok, on reçoit le Pokédex. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, Flora vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Oh, c'est super, Linkos, toi aussi tu as un Pokédex. C'est génial, tout comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Des Pokéballs, et ça c'est excellent. Ah là là, tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon. Je vais aller explorer un peu la région parce que je veux d'autres Pokémon. Si je trouve des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéballs. Ça marche, ça fonctionne. Alors, eh bien, on attrapera un Pokémon dans le prochain épisode. Attends, Linkos!
Linkos, Linkos, as-tu fait connaissance avec le professeur Seko? Oh, quel adorable Pokémon! Le professeur Seko te l'a donné? C'est gentil, tu es bien comme ton père, tu sembles être en accord avec les Pokémon. Tiens, chouchou, si tu pars à l'aventure, mets ces chaussures de sport. Elles vont te faire aller plus vite. Yes! Maintenant, on pourra courir dans les maisons! Haha! Linkos, ses chaussures s'accompagnent d'un mode d'emploi. Avec ses chaussures de sport, appuyez sur le bouton B pour aller plus vite. Une fois les chaussures de sport enfilées, vous pourrez courir dehors. Eh ouais, quand je pense que tu as ton propre Pokémon maintenant, ton père va être ravi. Mais je t'en prie, fais attention. Si ça se passe mal, tu peux rentrer. Vas-y, va tous les attraper, chouchou. Oui, on ne peut pas attraper tous les Pokémon dans ce Nuzlocke. Ah là là. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là, les amis. On a eu notre premier Pokémon, Foudre X. Dans le prochain épisode, les lettres, bien sûr, elles changeront. Si aucune des six lettres dans le prochain épisode qui seront tirées au sort correspondent à What, eh bien, on pourra le faire quand même combattre, vu qu'on peut faire combattre au maximum deux Pokémon. Si il n'y a aucun autre Pokémon, bien sûr. Donc voilà, je pense que c'est tout. Donc dans le prochain épisode, on fera la capture de notre premier Pokémon et on continuera notre aventure. Alors, écoutez, si cette série vous plaît, vous met la hype, n'hésitez pas à me lâcher le plus de pouces bleus possible pour me montrer que vous êtes là, que vous êtes motivé à me suivre, à commenter l'épisode pour savoir ce que vous en pensez, à me répondre à la question du jour aussi. Je répondrai à la question du jour dans le prochain épisode, bien sûr. Et donc voilà, allez, on se retrouvera pour le deuxième épisode. Bye tout le monde !